Someone's been taking hearts I run and think that Cupid's up to something. You ask me how I feel, I say nothing. But lately colors seem so bright and the stars light up the night. Hey, salut tout le monde, c'est Raiken, comment allez-vous? Moi, ça va tranquille, et aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur la Obscure Clan, bienvenue à vous tous. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira, qui envoie de la patate, qui déchire. Donc voilà, ça sera une vidéo pas très longue, mais je pense qu'elle va vous servir par la suite. Donc ce sera une vidéo comment avoir des clés de cryptage illimitées les gars, je peux vous assurer que ça marche. De toute façon, je vous donnerai les preuves à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est très simple, faudra avoir un contrat quotidiennement. Donc moi je vous conseille de faire les contrats à 30. Donc il faudra faire son contrat à 30, mais pas vraiment le terminer. Donc il faudra lancer une game. Il faudra, dès que vous allez débloquer votre contrat à 30 clés cryptage, vous allez quitter la game et vous allez aller dans le test de connexion. Donc le gameplay il sera pas en fond car je n'ai pas d'avis média. Et donc voilà, donc il faudra quitter directement la game les gars, et après il faudra aller dans soit test de connexion, soit relancer votre jeu. Ensuite il faudra aller dans le jeu, ça va vous déconnecter des serveurs Call of Duty normal. Après il faudra se reconnecter, aller dans le marché noir, faire retrait, et comme vous avez vu, ça vous donnera les clés de cryptage, alors que quand vous y allez dans le contrat est toujours visible. Donc voilà, c'est vraiment un glitch cool qu'on peut réaliser en illimité. Donc c'est vraiment cool qu'on peut faire tout ça. Donc vous pouvez avoir 9900, je sais pas combien de clés de cryptage. Donc c'est juste qu'il faudra pas se fail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Raiken sur l'Obscure Clan, peace.